Bonjour à tous mes chers élèves qui suivent cette chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une autre vidéo qui va parler du modèle d'évaluation. Nous avons déjà vu, je pense, 3, 4 jusqu'à 7 modèles d'évaluation. Et comme d'habitude, bien sûr, la première vidéo, elle va expliquer les questions. Et la deuxième vidéo, je vais vous donner les réponses avec l'explication. D'accord? Donc, c'est pour ça, les modèles d'évaluation, il faut les suivre attentivement pour le niveau de CM2, 6e année. Et le modèle d'aujourd'hui, c'est le modèle de 2018, 2019, hein, 2018, 2018. Et nous allons bien sûr le voir tout de suite. Nous avons deux vidéos. Nous avons la première vidéo qui va expliquer les questions et la deuxième vidéo qui va donner les réponses avec l'explication. D'accord? Donc vous suivez attentivement, on commence dans quelques minutes. Comme vous pouvez voir, c'est un normalisé qui a été fait dans la session de juin 2019 pour le niveau de 6e année. Mais peu importe, ce qui nous intéresse pour le niveau de CM2 et CM1, c'est avoir un texte, comme vous pouvez voir ici, avec les questions de compréhension. Là, nous avons les questions de compréhension. Ensuite, on va passer aux activités de langue, où il y a le lexique, la grammaire, la conjugaison, l'orthographe, et bien sûr, à la fin, il y a la production écrite, qui contient deux exercices. Alors, nous allons faire la lecture de ce texte ensemble. Le texte lit le texte du départ, donc il n'y a pas de titre. Ce samedi après-midi, il fait froid. Le vent souffle très fort. Heureusement, nous avons la télé. Chic, il y a un match de rugby, dit mon père. Ma sœur bondit de son fauteuil. Je regrette, mais on donne aussi un film formidable. On ne va pas le rater pour voir 15 fous se disputer un ballon pendant 2 heures. D'abord, ils ne sont pas 15, mais 30. Ensuite, ce ne sont pas des fous, mais des sportifs. D'accord? Je pense qu'à la même heure, il doit y avoir des dessins animés. Et justement, La Panthère Rose. C'est mon émission préférée, dit grand-père. Sur le petit écran, une jolie jeune fille joue dans un énorme nuage de bulles. Elle nous conseille d'essayer sa nouvelle savonnette. C'est alors qu'un formidable coup de vent fait claquer les volets. Sur l'écran, plus d'images. C'est encore l'antenne qui a lâché. Charles Milou. Donc là, quand on a un texte qui peut être court ou long, ce qui est très important dans une feuille d'examen, c'est de lire 3 fois, maximum jusqu'à 5 fois le texte. Pourquoi? Parce que nous avons toutes les questions qui sont dans la compréhension et des fois dans le lexique, ils ont les réponses. Les réponses sont dans le texte. D'accord? Donc, il faut lire plusieurs fois le texte. Compréhension de lexique, de l'écrit. Qui veulent, donc veulent ici, ce n'est pas, il n'est pas conjugué pour une seule personne. C'est 2 jusqu'à 3. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce verbe. Ça veut dire ici, tu vas choisir plus de 2. 2 ou plus. D'accord? Alors, qui veulent regarder la télé? Choisis la bonne réponse. Le père, le frère, le grand-père, la sœur. Quel temps fait-il ce jour-là? Est-ce vrai ou faux? Il y a un match de football à la télé. La fille veut voir son dessin animé. La Panthère Rose est l'émission préférée de grand-père. L'émission choisie passe à la même heure. D'accord? Vrai ou faux? Vous écrivez ça en bas. Bien sûr, quand vous allez réécrire, parce que vous n'allez pas répondre sur cette feuille, vous allez prendre une double feuille et réécrire les réponses en répondant directement sur la feuille. Numéro 4. De quoi parle-t-on dans le quatrième paragraphe? Le quatrième paragraphe, c'est ici, d'accord? Souligne la réponse correcte. On parle, alors le quatrième paragraphe parle de la météo, d'une chanteuse, d'une publicité. Numéro 5. Pourquoi l'antenne a-t-elle encore lâché? Donne un autre titre à ce texte. D'accord? Donc là,
Il faut toujours faire très attention à bien lire les questions, les consignes, et aussi revoir et relire ce que tu as écrit quand tu as répondu. Bien. Donc là, nous allons voir les activités réflexives sur la langue, où il y a, comme je vous ai dit, le lexique d'abord. A, le lexique, donne le synonyme des mots suivants. Formidable, bondir. Trouve le contraire de ces mots. Heureusement, nouvelle. Entoure le préfixe dans l'adjectif international. D'accord? Alors la grammaire. Ponctue correctement, ça veut dire fais la ponctuation, ça veut dire mettre le point exact à la fin de chaque phrase. Comme cette émission est intéressante, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Que nous conseille-t-elle d'essayer? Qu'est-ce qu'on va mettre? Donc ici, mets à la forme négative. Des images passent encore sur l'écran. Ajoute un COD et un COI. Le grand-père raconte. Donc tu ajoutes le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect dans la même phrase. Dans la même phrase, tu écris une seule fois la phrase et tu ajoutes le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Numéro 13, complète par ce et cette. Vous voyez, il faut faire très attention, ce sont des démonstratifs masculins singuliers. Il faut faire attention quand est-ce qu'on va utiliser ce et quand est-ce qu'on va utiliser cette. Sur écran géant, on projette documentaire. Numéro 14, utilise ces éléments pour établir une comparaison. On sait tous qu'on peut faire une comparaison d'égalité, une comparaison de supériorité ou une comparaison d'infériorité. Donc ici, nous avons l'adjectif bonne. Notre équipe. Tu fais la comparaison avec le mot bonne, l'équipe sénégalaise. Numéro 15, relier, c'est relier, à l'aide d'une expression de cause. La cause, c'est dire pourquoi. D'accord? Les images disparaissent, l'antenne a lâché. D'accord? Donc ça, ce sont les exercices sur 7 points concernant la grammaire. On va passer à la conjugaison. La conjugaison numéro 16 conjugue les verbes entre parenthèses au temps demandé. La première phrase, c'est à l'imparfait. La deuxième phrase, c'est au passé composé. La troisième phrase, c'est le futur. Et la quatrième phrase, c'est le présent de l'indicatif. Donc, ma sœur, le verbe bondir de son fauteuil. À l'imparfait. Les joueurs se disputent. Se disputer au passé composé. Je, le verbe vouloir, voir cette publicité au futur simple. Nous, le verbe annoncer le programme au présent de l'indicatif. Donc ici, c'est sur 4 points. On passe à la question suivante. Réécrire la deuxième personne du pluriel. La deuxième personne, mais du pluriel. Regarde la télé. Donc ici, puisque la phrase, elle est à l'impératif, automatiquement, la phrase qui va être conjuguée, c'est la même phrase qui va être conjuguée à la deuxième personne. Du pluriel, ça va être à l'impératif. Numéro 18. Mets au mode et au temps convenable. Si le temps s'améliorait, nous avons le conditionnel présent, ils sortirent dehors. D'accord? Maintenant, la question suivante. Mets à l'impératif présent. Prendre un billet pour la Russie, c'est la deuxième personne du singulier. D'accord? Donc là, nous avons la conjugaison aussi sur 7 points. Alors, nous allons passer à l'orthographe. C'est sur 3 points. Première question, qui est numéro 19. Mets au pluriel les mots, les noms composés, un cerf-volant, une demi-finale. Dans la question suivante, la consigne suivante, mets les accents qui manquent. Nous avons l'accent aigu, l'accent grave, et l'accent circonflexe, d'accord? Les athlètes sont prêts pour cet été. Numéro 21, accorde au féminin. Ça veut dire on va faire l'accord entre le nom chef et les adjectifs. Nous avons cette présentatrice et nous avons l'adjectif beau et l'adjectif souriant. Donc vous faites l'accord avec cette présentatrice qui est un nom singulier féminin. D'accord? Donc là, j'ai essayé quand même de vous expliquer les questions,
Mais dans la vraie évaluation pratique, on va seulement lire les questions, mais pas les expliquer. Alors, nous avons maintenant la production écrite, où vous avez deux exercices. Le premier exercice met en ordre les phrases suivantes. Et le deuxième, bien sûr, tu vas faire la suite de cette histoire, de ce qui s'est passé quand l'antenne a encore lâché. Donc ici, nous allons voir quatre phrases. Mets en ordre les phrases suivantes. Tout à coup, il n'y a plus de lumière. C'est le soir, toute la famille est autour de la table. La maman allume les bougies. C'est une panne d'électricité, dit le père. Donc ici, vous remarquez que nous avons quatre phrases que vous devez mettre en ordre. Nous avons donc la consigne de la production à développer, à écrire. C'est quand on vous demande, c'est encore l'antenne qui a lâché, raconte la suite de cette histoire en six phrases. Donc nous avons vu qu'il y a une famille qui regarde la télé et tout à coup, il y a l'antenne qui a lâché. D'après toi, qu'est-ce que ces membres de famille, qu'est-ce qu'ils ont fait après que l'antenne a été lâchée? Ça veut dire que la télé a été tombée en panne. D'accord? Donc je vous souhaite un bon courage. Revoyez cette vidéo pour bien répondre aux questions de compréhension, aux questions de langue et aussi à la production écrite. Et ici,